Hello, alors aujourd'hui on va faire une petite visite, je suis au poisson exotique. Hein, donc voilà l'enseigne, on va rentrer et on va découvrir cette boutique qui est pas loin, enfin cette boutique qui est entre Nancy et Metz, grosso modo pour les gens qui découvrent. Donc à l'entrée on a une présentation avec un petit récif sympathique, bien peuplé. Du matériel de bassin, parce que c'est pour de l'aquariophilie en général, des beaux bacs, voilà, des exemples d'aquarium qu'on peut avoir à la maison, une belle collection de matériel, parce que c'est rare qu'on voit autant de matériel pour faire des raccords et ainsi de suite dans un magasin. Et là on a les bacs à boutures. Alors, les bacs à boutures, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de vous montrer. Ils sont en cercle et ces trois triangles qui rentrent dedans et qu'au milieu il y a un trou. Et à chaque fois il y a un type de population par bac. Donc là on est devant un bac à LPS, on voit qu'ils sont vraiment bien, c'est bien rempli. Hein, il y a aussi des coromous avec des belles pièces, des choses vraiment intéressantes. Ensuite on va quitter ce bac pour passer à celui d'à côté, où on va trouver plus une population donc de SPS, même si y a un petit peu de LPS et de mou, hein, des poissons utilitaires, mais toujours, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a une vision très sympa, on ne voit pas 15 000 pompes grâce à l'intégration donc dans ce cercle. Et enfin, on a pour terminer ce cercle, voilà, encore un bac avec des coraux durs, des coraux mous, et des très très belles choses encore une fois. Donc maintenant on va voir les batteries de poissons. Donc là il y a des invertébrés, je bafouille, il y a les invertébrés, voilà, avec un petit peu d'algues. Là on a quelques chirurgiens. Des petits poissons encore. Donc il y a quand même une bonne population qui est présente avec des demoiselles et ainsi de suite. Donc ça c'est déjà la première partie des bacs de présentation. Ensuite forcément un petit nano pour montrer au client ce que ça peut donner une fois fini chez lui. Un aquarium un peu plus grand et qui est vraiment réussi. J'aimerais bien en avoir un comme ça dans mon salon. Il y a une sacrée population, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va passer sur encore de l'eau de mer, donc avec des algues, des invertébrés et des crabes là qui sont un petit peu sympas. Voilà, des poissons, des crabes, énormément donc d'anémones et les bacs avec tout ce qui est escargot, Bernard l'ermite, tout ça. Une fois qu'on a fait ce tour là, on va retrouver donc là de l'eau douce avec tout ce qui est les guppies, tout un tas de sortes de guppies, du discus. Encore une fois, des très très beaux bacs qui ça donne envie. Voilà, encore un beau bac. Voilà. Ensuite ici on a du poisson rouge, des poissons on va dire classiques d'eau douce et du moins classique aussi. Je pense en particulier à celui-ci qui est pas ultra classique en animalerie non plus. On en voit régulièrement mais c'est pas ultra classique. Celui-ci en plus a des très belles couleurs. Et on continue à faire comme ça le tour du magasin avec là les rayons avec toutes les plantes, parce que bien, forcément qui dit aquarium d'eau douce dit plantes. Encore là du cyclidé, et ensuite on a tout un tas de rayonnages dans lesquels on peut se promener aussi si vous souhaitez, avec vraiment une grande variété de marques qui sont proposées, que ce soit pour l'eau douce ou l'eau de mer, avec beaucoup de pompes, beaucoup de,
de chauffage, de tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vos bacs. Hein, on a... c'est une petite caverne d'Ali Baba qui est vraiment sympathique. En plus, un très bon accueil quand j'ai demandé si j'avais le droit de filmer. Donc vraiment, une boutique sympathique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à venir visiter si vous passez dans le coin. Et puis voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres visites.